Démission au monde dans une institution, c'est une décision personnelle qui est liée. Cependant, nous, Jean est fait là, nous pas souhaité fait comme ça, et il fait une lettre, Jean nous dit publiquement, nous avons des désaccords avec lettre là, et nous-mêmes, nous réunis à l'interne, à travers une commission, et nous avons une position qui est publique par rapport avec toute allégation et qui t'est fait yo, mais on et bon démission c'est une décision et personnelle, nous-mêmes nous pas réunis nous là pour et rentrer dans polémique avec mon collègue non et mais tout simplement nous avons obligation un pour nous te présenter excuse non by nation sous spectacle ça et que nous-mêmes nous pas souhaité et deuxièmement pour nous informer population en tout et qui nous toujours pas accompagné dans bataille qu'elle a menée pour société à chita son état des droits, dans bataille l'a menée pour démocratie capable prendre charrette en dans pays, dans bataille qu'elle a menée contre impunité et contre corruption, et ben n'a et nous venons pour nous dire RNDDH continue à travailler et nous continue à renforcer nous et dans ce sens ça à partir de tout ça qui s'est passé là nous avons obligation pour nous organiser convoquer une assemblée générale extraordinaire qui pour prononcer sur plusieurs bagages Jean-Villet se dit là sur fonctionnement RNDDH et sur vision nous et qui gens nous capables renforcer capacité nous analyser point faible nous et point fort ça nous doit corriger ça nous doit et renforcer pour nous capables et plus efficace pour continuer servir population haïtienne depuis démission Mario Lenjin qui vini avec interview dans radio et conférence de presse nous pas jamais répondre et lit ou on sait des bagages qu'elle dit et nous pas entrer dans polémique avec lui. Ma autant précision pour nous. Moi pas dans pays a moi parti le 20 mars, moi retourné le 30 mars. Et pendant m'entrer là et la presse t'a sollicité de interview ensemble avec moi. Avant même que nous parler, Jean collègue Villes t'a dit la présentation communiqué de presse là. Côté que nous te mettons d'accord pour publiquement pour nous dire que nous te recevons une subvention dans main BMPAD. Et première fois, moi-même, Pierre Espérance, qui est directeur exécutif RNDDH, parle dans la radio sur le dossier ça, c'est le 3 avril, moi baille une interview et sur deux sujets. Un, c'était sur le 17e anniversaire assassinat. Jean-Dominique et Jean-Claude Lucien. Et deuxièmement, c'était pour confirmer et Jean-Otab Dia que ce n'est pas ça. RNDDH n'a pas recevoir et une subvention pendant 20 mois dans le BMPAD. C'était une subvention. Et nous avons c'est toi, c'est subvention et ONA en 2015 et BMPAD en 2016. Avec APN 2016. C'est toi et institution étatique. Nous tiens à apporter certaines clarifications par rapport à des éléments qui sont sortis dans l'aide de démission, hein, bien que c'est des éléments plus d'ordre administratif, mais nous tiens à apporter certaines clarifications que nous croyons qui utiles pour le public là par rapport à la question sérieuse. Au niveau RNDDH, tout de suite après démission, hein, donc gagner une commission. Une commission qui t'a pralé travail pendant près de 7 jours, sans arrêter, pour capable de voir comment nous joindre issue à la situation ça, qui entourait démission Mme Gilles. Là. Et commission ça, li croit que en dedans démission, hein, capable de gagner une opportunité pour que l'institution renforce
et devenir plus efficace encore par rapport à l'efficacité de toujours affichée dans le temps. Donc, c'est dans ce sens la commission n'a pas analysé, pas chita sous l'élément de discussion, de débat. La commission a allé vers une déconstruction de problèmes. Pour qui ça nous arrive dans la situation ça? Pour qui ça nous arrive à démission Mme Marie-Hélène Gilles, qui passe après 17 ans la milité hein, au sein de l'institution? Donc, lorsque nous faisons réflexion ça, nous faisons déconstruction, hein, donc nous allons tout droit vers structure nous. Nous allons garder hein, statut nous, nous allons garder règlement interne nous. Et c'est dans ce sens ça, la commission est extrêmement important pour que lui proposer, faire un ensemble de propositions sous des mesures que l'NDDH supposé prendre dès maintenant et jusqu'à la, et l'épuisement de l'ensemble de recommandations ça yo, pour que effectivement nous sortions dans la situation ça. L'en parler de l'ensemble de propositions, c'est-à-dire nous devons aller vers la, une organisation. Assemblée générale, non. C'est plus grand instance institution, hein. Il a besoin réunis. Réunis pour faire qui ça? Il a besoin réunis, et l'Assemblée générale a besoin réunis pour être capable de revisiter philosophie, non, vision, non, mission, non, objectif, non. Et si nécessaire, porter des correctifs à travers ensemble d'éléments, ça. Qui ça, l'Assemblée générale a bien pour le faire? La bien pour le rendre fonctionnel. Différents organes institutionnels. Dans les organes institutionnels, la prend des dispositions pour que, en tant qu'assemblée, les rendent fonctionnels et mettez des conditionnements, des balises pour que le conseil d'administration arrive fonctionnel aussi.